être une magnifique journée de course. Bienvenue au Grand Prix d'Australie. La course du jour nous emmène dans l'état de Victoria où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km/h. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et, comme souvent ici, nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course. Et salut à tous, on se retrouve pour la course. On est encore sur le tableau des qualifications de la Q1 qu'on a effectué sous la pluie. Toujours en compagnie de mes compatriotes de fond de grille, comme vous pouvez le voir. Donc salut Dodo, 20e. Salut, salut. Salut Bad, 21e. Salut, salut. Salut Fab, 22e. J'ai envie de dire le trio gagnant. Bon. Donc ça c'était le classement de Q1. Ça a forcément évolué pour les 16 premiers parce qu'ils ont passé en Q2 et les 10 meilleurs sont passés en Q3. Donc ça sera sûrement pas le classement définitif. En tout cas pour nous ça l'est. Sachant qu'on devrait gagner quelques places avec Ericsson. Enfin quelques places, une place, puisque Ericsson devrait se retrouver derrière nous. Voilà, voilà. Bon bah les gars, vous êtes prêts? On va aller sur la piste du premier Grand Prix de la saison. Voilà, allez. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, il va y avoir du spectacle. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, donc on est à Melbourne, on était sous la pluie, on va voir ce que ça va donner. Bon allez, je vais être chiant, je vais laisser le générique. Ouais. De même, tu peux voir. Il est pas dégueulasse en plus. Non, il est propre. Pas encore, ouais. Alors attention. Verdict. Ah, le beau temps. Ah bah voilà. Ah là, ça brille de mille feux. Alors. Oh, je suis P20. Donc je suis P21. Suis P19. Comme on a pu vous dire sur les qualifs, pas de réglage voiture, parc fermé, donc on a les réglages des qualifs. Voilà. Et oui. Pour donc, nous, on est optimal. Hein, pour ceux qui n'ont éventuellement pas suivi les qualifs, moi je suis en réglage temps sec. Fab, je crois que c'est pareil. Il y a juste moi en réglage pluie. Et Dodo donc est parti en réglage pluie, vu que les qualifs se sont passés sous la pluie. Eh oui. On a préféré privilégier la course du côté de chez Renault. Hein? Alors, après, on verra bien. Ça peut peut-être payer aussi. Oui, hein, ça peut. On verra. On va peut-être passer tout de suite à la stratégie quand même. Ouais, moi j'y suis parti. Bon, elle est déjà faite. Alors la stratégie du fait qu'il ait plu, et puis qu'on est surtout qu'on soit pas passé en Q1, en Q3 pardon, on peut modifier nos pneus. Écoute pour moi. Modifier la stratégie. Hop, on va revenir sur la période 1. Voilà, et on va mettre à... On va partir de 7 tours, 7, non 8 tours. Donc je peux déjà vous dire la stratégie de mon collègue. Il va partir en soft et finir en tendre. Exactement, en super. Je peux même dire que notre adversaire du jour fait exactement la même chose. Qui? Quoi? Non, je ne l'observe pas. Non, parce que moi j'ai fait ça. Allez. Non, moi je suis parti en médium. Et en plus, pour bien faire les trucs, j'ai aussi annoncé la plage d'ouverture des stands au 7ème tour. D'accord. Pour bien pimenter le truc. Donc qui va arriver en premier au stand? Non, c'est pas le but. Non, moi j'ai mis 8ème, toi. Ouais, non, mais le but c'est quoi là? De toute façon, on peut se parler. Donc. Ah bah, il faut se parler, c'est ça. Bon, bah voilà, je pense qu'on va y aller. Et ben, pour moi c'est parti. Allez, donc, bah pour moi pareil. Place à la Allez. Course. Petit tour de mise en grille, le tour de chauffe. Voilà, donc on va partir, on va aller. Hein, on va être sur une fin de course plus agressif normalement. Hein. Fox, t'évites de faire patiner les pneus. Ouais, laisse-le, il use ses pneus, moi. Laisse-le. Ouais, c'est bon. Ericsson, tu fais quoi là? Ouais, il fait quoi lui? T'as doublé? Ouais. Bah, de toute façon, tu t'en fous, il va revenir après en. Ouais, bah, il a plutôt intérêt parce que sinon, je lui cartonne sa casse. Je connais pas. Oh, c'est bizarre de nous voir tous les trois là à la fin. Voilà, c'est nous. Moi, j'ai l'avantage, c'est que je vous vois. Ah, bah ouais, bah, moi, je vous vois pas. Enfin, si, dans le rétro. Ah, si, j'ai mis la vue arrière. Donc là, le but, hein, tour de chauffe. On fait chauffer pas taper. Les pneus. Pas taper. Voilà, pas taper. On fait chauffer les freins. Anti-calage.
Moi je fais chauffer bien les pneus aussi. Anti-calage, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, Maurice? Je pense que... Je sais pas pourquoi, mais le premier tour, il va être... Donc à noter hein, que le safety car peut intervenir si besoin. Soit le safety car virtuel, soit le safety car le vrai. Le vrai avec la voiture. La Mercedes AMG. Aïe aïe aïe. Voilà, ça vous permet de faire un visuel du circuit en temps sec. On n'est pas passé aussi vite en temps de pluie. C'est pas du tout la même chose hein. La vitesse, rien que déjà la vitesse qu'on est passé là ah ouais, limite, je pense qu'on allait déjà plus vite ici que en temps de pluie au ralenti. Il va nous falloir je pense un ou deux tours quand même pour nous recaler comme il faut. Ou pas. Ou pas. Ou bien... Allez, faut pas les cons au premier virage. Allez. Ouais, non, voilà, bon, ils ont repris la main. Le de toute façon, moi le départ je vais le rater comme d'habitude. Ou pas. Pour pas changer. Allez, bonne course. Allez, bonne course à tous. Là, qu'est-ce qui se passe là hein? Voilà, je l'avais dit hein. Ça tape. Ouais. Oh non! Putain, ils m'ont explosé. Allez, les avance! Putain! Responsable oh, bah, voilà. D'une collision, j'ai tapé personne, alors ça c'est énorme. J'ai tapé personne, je dois te laisser dépasser ici. Ah bah voilà, j'aurais dû faire une sécurité virtuelle. Virtuelle, virtuelle, hein, simplement. Bon bah j'ai déjà pu d'aller au moins l'avant. Ça va annoncer une course palpitante. Là je suis bon pour passer au stand. Il y en a déjà un mort. On est plus que 21. Ah pour une fois j'y étais doucement quand même, tu vois. Bah, moi ouais, j'étais doucement mais j'ai tapé l'autre devant et ils freinent comme des malades. Ouais mais j'ai anticipé là, j'ai fait exprès parce que... Et du coup j'ai tapé lui et puis c'est même pas la frappe que j'ai touché et puis je les ai repassés pas ici. J'hallucine. C'est reparti. On peut rien faire. Désolé Dodo, mais là, avec un aileron en moins. Non mais c'est pas moi derrière toi. Voilà, je pense qu'on va être assez calme, assez concentré sur la course quand même. Ouais. La course pour moi elle est raide. Mais non, mais non. On fait ce tour. Il y en a un autre qui est rentré aussi. Ouais, ouais, mais ça va être compliqué d'aller chercher un P10. Ah, ouais, il y a quand même pas mal de trucs à terre. Hein. Ah, il y a eu deux accidents. Moi j'ai cartonné. C'est surtout le deuxième qui m'a coûté très cher. Là, vous avez vu la couleur de mes pneus. Il va falloir attaquer sévère. En médium ? Non, non, je suis en ultra tendre. Ah ouais ? Ouais, tu peux faire une stratégie à deux arrêts. Merde, je suis sorti trop large ici. Alors on a un peu de mal à les suivre. Je pense ouais ils sont super soft en plus. Hein. Ouais ouais c'est ça aussi. Hein. Quand on va passer en super soft ça va être mieux. Bon après je suis pas au mieux dans les tours là pour l'instant. Hein. Pareil. J'ai pas mal d'erreurs là.
Bon, Ariento va faire du T4 parce que là, la Renault va te monter dessus. Attention, il va rentrer en action. On est loin, on est loin. Allez, 15 tours. Merde, j'allume mes pneus. Belle connerie là. Allez, Ariento, normalement ça passe, hein. On voit les débris de chez Renault. Vive le plan initial. Putain, je galère. Bon, il est mollo parce que là, je... Eh, il va se pousser, lui. Merde. Bon, bah, il n'y a plus de piqué. Ouais, merde. Je l'ai enlevé. Voilà, les deux de passer. Je vous cache pas qu'avec Wehrlein, j'ai eu un petit peu peur. Merde, hein. Je suis sorti trop large. Putain, ça fait doubler du coup. Vous êtes en quelle position? T'es 14. 19. Bon là on n'a pas de DRS parce qu'on a personne devant. Je vais être devant. Allez, on va essayer de se défaire des deux derrière quand même. Allez, on attaque. Attaque est fort. J'attaque et il me dit l'économie du carburant. Oula, oula, doucement sur les pneus. T'as deux fois ici, bordel. J'arrive pas à rouler là. Je fais que de la merde. Je fais que de la merde. Et de faire un safety, n'hésitez pas. Je sais pas, c'est Button qui me colle derrière là. Dodo, s'il te plaît, quand même. Ça me saoule aussi. Merde, j'ai oublié là. Que de la merde. Je perds des secondes de... Plein de secondes. Putain, j'étais au cul de l'autre et puis j'ai 11 secondes. Mais c'est l'autre devant. Allez, on va arriver dans la fenêtre des premiers ravitaillements, je pense. Nous approchons de la
parce que la même femme il me rattrape alors qu'il a fait un ravitaillement devant moi. Allez, vas-y, que je le sens encore. Conserver stratégie. Voilà, ça roule pas propre là. Ah, moi j'arrive pas à rouler propre. Non, là je fais pas mal de fautes, moi, tu vois. Voilà. Très dur de recoller. Hein. Eh merde, Polo, putain. On sent que c'est plus tendu, que c'est plus calme. Hein. Ouais, exactement, là on est à se concentrer comme eux. Calme-toi, allez vas-y, mais accélère là, putain. Eh vas-y, je casse la roue, putain de lac de merde. Allez, ça c'est fait. Abandonné, nickel, allez, ça c'est fait. Merco de merde. Dodo dans toute sa splendeur. Eh ouais, ça me saoule. Bon, je l'avais dit, ça allait pas aujourd'hui. Ah, ça ira mieux sur le prochain. Ouais. Mais oui. Pilote devant. Oh là là. Il y en a un qui est échoué là, qu'est-ce qu'il fait là lui? Notre avance sur la voiture de derrière est de 0,6 secondes. Ouais, l'écart est très très mince hein, par rapport à celui de derrière. Compliqué de remonter. Oh là 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 là, je suis nab. Allez, il rentre toujours quoi, il me suit. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte, ta fenêtre est ouverte. Sur Nasser, mais le problème c'est qu'il me reste un arrêt. Rentrez ce tour. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Tu vas rentrer au stand, surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. On va essayer de le maintenir quand même jusqu'à la fin. Débarrasser de lui très rapidement là. Et il me part. Allez. On va attaquer la dernière partie de course en super soft. On va voir ce que ça va donner.
Pour l'instant on est P10, P11. Est-ce qu'on va perdre des places? C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Et en voiture. P14. Allez, on est parti. Oula. Alors P14, en fait on n'a rien perdu. On n'en a pas gagné non plus. Par rapport au début en fait, ouais, on était bien que P14 quand ils ont commencé à rentrer. On voit que les pneus nacer fonctionnent nettement mieux. Ouais, on voit ça. Hein. Les super soft, tu vois tout de suite. Je viens de signer le deuxième meilleur secteur. Attaquer les pneus. L'écart avec le pilote de devant est de conserver stratégique. C'est très, oui, c'est très calme. Hein. Ouais, bon là je te l'ai dit de toute façon dès le début, bon, la course elle est pèse. On va rien faire. Le problème c'est que j'arrive même pas à recoller aux autres de devant. Oriento m'a passé. Du coup, il n'y a même pas trop de bagarre, je suis à l'attaque à fond. De devant ils sont à moins de 5 secondes de toi. Ah ouais, on verra juste avant là. Juste après où t'es. Là, tu es au tête de les voir là. Là ils rentrent dans le virage d'après. Je suis à 5-4. À 29 secondes du premier. Bon, en 5 tours je pourrais rien faire. Ah non, tu les vois là, tout à l'heure tu les voyais pas. Tu remontes petit à petit. Tout à l'heure quand t'es arrivé dans ce virage là, eux ils finissaient la ligne droite tandis que là ils sont au milieu. Ah ouais, ah bien. Attends, ils vont m'indiquer le temps, je vais te le dire tout de suite. Faut juste devant toi là. L'écart avec notre coéquipier est de 35,1 seconde. Et ils sont à 4, donc ils se bloquent, ils suivent à la queue le donc du coup ils perdent du temps quoi. Putain, Button il me colle toujours au train. Ouais, Button il suit là. Ah, la McLaren elle tourne aussi hein. Ah putain, je suis une faute. J'ai pas réduit en temps, toujours 5-3. Attends, on dirait que t'as... T'as réduit quand même. L'autre devant. Pilote devant. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,3 secondes. Tu te rapproches, tu gagnes 4 dixièmes au tour. Ils ont de nouvelles comme temps. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1,34,7. Une 31, meilleur tour. Merde, pourquoi je passe en première? C'est très loin. Allez, concentration.
Merde, je coupe le virage. Deuxième virage coupé. Je vais bientôt me prendre 3 secondes. Je vais retrouver mon pote de fond de classement. L'écart avec la voiture qui te précède est de 5,3 secondes. L'écart ne bouge pas. Je les vois par moment, mais c'est tout. Allez. Mince. Bon, oh bah j'ai tapé. C'est un bout d'aileron. On t'a pas abandonné déjà. Ouais, c'est tout comme, de toute façon, 20ème. Ah, j'ai gagné une place. Peut-être un au stand, non? Ouais. À Riento, qui était un peu fort, mais bon. 37, une 42, tu remontes un petit peu, mais bon. En un tour, c'est mort, quoi. Faut juste que tu tiennes button. Ça va être compliqué. Ah, y a un soft, hein. Y a un super. Y a un soft. Ouais, mais il colle tout le temps. Ouais. Allez, 3 secondes. De toute façon, je suis plus à ça près. Dans les herbes, t'as la fête à la crevette. On prend toujours les bonnes trajectoires quand même. Hein. Ouais, super! On dirait qu'ils essayent pas de doubler en fait. Ah les ouais? CEO, ouais? Ils restent derrière toi, mais ils cherchent pas à te doubler. Je vais pas m'en plaindre pour l'instant, tu vois.
là je suis dessus, mais il met le DRS et il essaye pas de prendre l'intérieur pour essayer de passer quoi. Il reste derrière. Oh bah j'ai pas besoin de prendre un tour. Bon normalement si tu fais pas le combat ça devrait le faire. Hein. Fait combien? Oh il est 13. Oh et puis derrière Hamilton ça revient aussi. Rosberg il revient fort aussi dessus. Je sais pas s'il va pas prendre le DRS pour essayer de boucler Button là. Ah ah ah, est-ce qu'il va doubler Button? Oh putain, il y a doublé Button. Bon bah voilà, 13ème. On arrive à tout de suite là, boire. Allez, festival. Hop là, c'est pour les spectateurs. Il aura doublé Button au dernier tour quoi. Ouais c'était bizarre hein. Dommage il n'y a pas le frein à main parce que je l'aurais bien tiré. Je vais fumer les pneus. Dommage tu peux pas faire un surplace. Un donut. Ah je sais pas si tu pourrais. Non il s'est passé. C'est pour vous, on fait le festival. Oh. Lamentable. Bon, bah meilleur temps ouais, signé en 1.31, 600. Comment? Donc moi c'est comment alors? 1.37 mon meilleur temps, gagne ça toi. Qu'est-ce que tu veux faire? 1.34.150. 1.33.8. Ah t'as fait quand même un... Non, 1.33.3 toi. Enfin... Ah 1.33.3 ouais. J'ai pas réussi à faire un temps. Enfin, un tour propre. Non, moi je sais pas, tu vois. Bon bah voilà, premier Grand Prix fait. Objectif non atteint pour tout le monde, je crois. C'est clair. Non, j'ai fini la course, super. Ah oui, bien. Ah, ouais, moi, je l'ai pas terminé. Bon, bah voilà. Bah ouais, ouais. La course a duré 300 mètres pour moi. J'ai progressé, j'ai fait 50 mètres de plus. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu malgré tout. Ouais, ouais, ça ira mieux, je pense, à Bahreïn. Voilà, prochain Grand Prix, c'est à Bahreïn. Il me semble, oui, je pense que ça ira mieux. Enfin, j'espère du moins. Ça, on verra. Parce que c'est vrai que c'était compliqué là. Je j'ai jamais réussi à revenir sur les autres. Hein. Bah ouais, dès l'instant, même la stratégie décalée, par moment, je te dis, si au départ en fait t'as un accident et du coup t'as un trou qui se fait, après c'est hyper compliqué de revenir. Ah, tout dépend l'état, tout dépend l'état de l'aileron en fait. Vu comment t'en Ouais, mais même si ça touche et que toi tu touches pas en fait, t'as un écart qui ralentit. Ouais. Et cet écart-là, généralement, tu le retrouves en fin de course. Il est très dur à combler. Et il coûte très cher. Quoi, grosso modo, l'écart que ça peut être, eh ben, c'est les 5-6 secondes qui font que tu es 13ème. Ouais, parce que moi, je suis pas revenu du tout sur le sur le groupe de devant. Je suis revenu d'une stratégie décalée, mais pas à pouvoir combler cet écart-là, parce que eux, leur soft, quoi qu'il arrive, à un certain moment, bah, ils tournent bien. Quoi. Ouais, bah oui. Ouais. Bon, bah voilà. À vite oublié. C'était ouais. Le premier. Faut se mettre. Ce que ça donne à Bahreïn. Et ouais. Eh ben c'était bien cool quand même. Ouais. C'est sympa quand même ce petit mode multijoueur avec l'IA. C'est, ouais, c'est ouais. Quand même fort sympathique. Hein. Voilà, c'est tout s'habituer. Eh ben on se retrouve à Bahreïn. On emmène les monoplaces. Voilà. On se met dans l'avion et puis on se retrouve bientôt. Sur le Grand Prix de Bahreïn, deuxième manche du championnat du monde. Voilà, exact. Ciao, dodo. Et ouais. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.